à tous, c'est Natsu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans TV Anime Fairy Tail. Donc, l'épisode 4. Ah, là, c'est Phantom Lord, on dirait, parce que là, c'est Gadil qui a dégommé ça. Je me rappelle l'épisode. C'est Gadil qui a dégommé. Donc là, ils vont trouver un plan. Donc là, ils vont attaquer Phantom Lord. Apparemment, Phantom Lord, c'est leur rival. C'est l'ennemi de Fairy. Et ils vont attaquer Fairy. Je pense que ce sera magnifique. Hein. J'y arrive, wesh. Vas-y. Comment ça s'appelle? F-Man, ouais. F-Man. Ouais, je dis jamais. Je crois que c'est la première fois qu'on utilise Super Sto dans l'épisode, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Il est balasse. Ça va, il est un peu costaud. Ah ouais, c'est juste ton ultime qui est un petit peu balance. Gadi, c'est un chasseur de dragons en acier. Comme Natsu, mais Natsu, c'est le feu. Et aussi Luxus. Un chasseur de dragons, mais il est différent. C'est pas vraiment fait aider par la dragon. Voilà, c'est bon. Donc en fait, si vous vous rappelez, Phantom Lord est engagé pour... Ouais, Luffy, pour ramener chez elle. Le père avait engagé le chef de Phantom Lord à prendre Luffy, en fait. C'est pour ça. Luffy croit, en fait, là, Luffy, elle dit que c'est sa faute. Tu sais, si elle passe échapper de chez elle, bah, elle va pas passer ça. Quoi. Là, ils sont venus avec un sort de... C'est pas un truc de... Ah, je ne sais plus le nom, mais... Vous allez détruire Fairy Tail avec ça. Hein. Et je m'appelle Erza, c'est blessé. Ouais, Erza, c'est blessé. Voilà, là Natsu est rentré, il va rencontrer un mage bizarre. Comment ça s'appelle? Je sais plus son nom. Non, je sais plus son nom. Ça date, son nom ça commençait pas par un J. Tomaru? Ou Tomaru? Je sais pas si c'est ça, mais. Go!
Elle s'est fait des gommes easy, hein. Et je pense que c'est une dizaine ou plus. Mais le feu. Pas arc-en-ciel, hein, mais avec d'autres couleurs. Bleu, noir. Et orange aussi, mais. Et une autre, je sais plus. Il y a gris, il y a gris. Vas-y, je prends le gris. Let's go. Ah oui, c'est pas ça. J'ai demandé est-ce qu'on avait déjà utilisé un vin. Ah oui, c'était l'épisode précédent. Ouais, non. C'était non, c'était l'épisode avant. Ah, c'était deux choses. J'ai oublié. Là c'est bon, je vais terminer. C'est pas encore fini, hein. Voilà. Ah ouais, je pense que ça va être du bien. Ouais, c'est ça. Pas les dos, elle est tombée. Piga, gré. Mais ce gré, il peut pas combattre avec ce costume, je sais pas pourquoi. Mais. Jubia. Oh, un nouveau son. Non, j'ai pas entendu son. L'eau et la glace, c'est un peu les mêmes choses. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est le même. C'est juste la glace, c'est quelque chose un peu dur. Et l'eau, c'est quelque chose de liquide. En fait, la glace. Imaginez, on a la glace. On met au frigo. Si on sort, ben, ça devient de l'eau, quoi. En fait, c'est un peu le même. C'est un peu le même. Ah, là, il y a. Là, là, j'ai plus de vie. Oh, j'ai plus de vie. Ok. Ok.
Ok, je l'ai eu maintenant. Le chef du Phantom Lord, José. Est-ce qu'on va utiliser Loki? C'est vrai que je vais à Loki, mais est-ce qu'on va l'utiliser? Peut-être. Ou pas, je m'en rappelle plus. Voilà, Serza contre José, ouais. Et après, je pense que c'est le maître. Ouais, c'est le quatrième combat, je pense. Après, c'est le maître ou Natsuga 2, je sais pas. Je pense que c'est ça, hein, de toute façon. Ok, il me donne du temps, il me donne du temps. Ah ouais, mais ouais. Ah ouais, c'est un truc. Ah ouais, mon petit garçon, putain. Ah ok. En fait, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Le plus bizarre, ça me l'a fait. Mais je pensais que c'était peut-être parce que c'était un monstre. Peut-être le Team Garza, c'est un peu simple. Je pense que c'est... Je vais dire un peu simple. Ok, c'est bon. Si je parlais pas parce que j'étais hyper concentré et tout, c'est ça que je parlais pas. Hein. Est-ce qu'on va utiliser Mark? Est-ce qu'on va utiliser Mark? Et je me rappelle plus. Dans le jeu, hein, c'est pas dans l'anime, dans la télé. On a vu. Mais est-ce que dans le jeu, est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que. Peut-être ou pas. On va voir. Ouais, je pense que c'est mon dessous là. Ouais, je pense que ça c'est le dernier combat. Voilà les combats des chasseurs de dragons. Fight!
chaud. Ah, il m'a eu. Oh, il m'a eu. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'après, est-ce qu'il y aura un combat? Peut-être Macao Jésus. Ou peut-être c'est les derniers. Hein. Ouais, le 7e combat de la vidéo, c'est le 7e. J'ai vraiment cru que l'avant c'était le dernier, mais non. Il y en a un autre. Pour la fin, parce que en fait, c'est vrai qu'il va pas du... ce jeu en fait, il va pas durer très longtemps. Là, on a déjà fait 2 missions. Hein. Bon, 3 missions, celui-là, ça va faire le 4e. Et je pense que ça dure pas très longtemps. Hein. C'est bon. Où est mon casta? Donc là, je pense le truc géant, je sais pas, ça ressemble à un crabe, c'est pas un crabe, hein, j'ai oublié le nom. Je pense que ça, là, il est détruit. Non? Ah, je savais, mais je savais. Il y avait ma carotte. Bah, ouais, je savais. Et je pense que ça, c'est le dernier combat. Il y a 8 combats en tout. Là, on va tester Makarov. On va tester Elfman, Makarov et qui encore de nouveau. Oh, c'était loin, c'était tout de là. Hein. Ils disent les clés, hein, comme les clés.
Ah ouais, j'ai failli l'utiliser. Parce que Moridia. Moridia. Maintenant, je pense que c'est la classe. C'est l'encontre ultime de ma carrière. Il était petit mais il est puissant, c'est ça. C'est ça le point. Bien sûr, il y a des gens qui savent donc il est petit et puissant en même temps. Ouais, je pense que ça c'est le dernier combat. Oh, moi je fais une sauvegarde, voilà. Hop. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà. Il y a eu pas mal de choses. Voilà, Phantom Mode a attaqué Felty. Felty l'a gagné, comme d'hab. Et on a testé de nouveaux persos comme Fman. Pas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de Fman. S'il est un peu puissant. Moi, ça va. Ça va, ça va. C'est juste dans les teams qui a pris, voilà. Et Makarov, et voilà, on a vu du bien, on a vu Otomarouche, j'ai vu le nom, voilà, on a vu José aussi, qui était, bon, il était un peu puissant, il m'attaquait, mais quand même, infini, on dirait, wesh, j'arrivais même pas à le toucher, je vous le dis, voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, et moi je dis, ah, tu es là, ciao. N'hésitez pas à me follow sur mon Insta, le lien dans la description de la vidéo.